greetings and welcome to 2021. I'm happy to announce you the start of the new year, and let's hope that it will be much better. Unfortunately, the Haute Couture Fashion Week is still postponed due to the pandemic situation, but here we are today for a very exclusive report in the atelier of Julien Fournier. Follow me, I will show you how the collection is getting ready. Dès lors que je commence à dessiner une collection, je la rêve dans un environnement et je me raconte des histoires. Il faut savoir que souvent les collections dans la maison Julien Fournier Haute Couture sont dessinées 6 à 7 mois avant qu'on les voit sur les podiums. Du coup, j'ai besoin de me nourrir avec des films, avec des histoires dans ma tête, mais aussi, du coup, en l'occurrence, avec des images très symboliques. Et comme je suis un aficionado du cinéma depuis très, très, très jeune, là, je me suis replongé dans les films qui ont, font partie de l'ADN de la maison Julien Fournier, parce que ça m'a nourri, en fait, depuis l'âge du plus petit. Donc, oui, il y a un clin d'œil à Fantasia. Oui, il y a un clin d'œil à des contes de fées. Oui, il y a un clin d'œil à certains films hollywoodiens des années 50. Et voilà, je m'amuse comme un fou. Je travaille qu'avec des gens qui sont issus du cinéma. Je pense à Joran qui a travaillé sur plein de films et de séries parce que faire ses coiffures hollywoodiennes, c'est très complexe et ce n'est pas les gens de la mode qui peuvent réussir à faire ce genre de choses. Et toujours Nicolas Degène qui, lui, non seulement signe des collections incroyables pour des grandes marques de luxe, mais aussi qui a travaillé sur Doberman ou sur le film La femme piège de Enki Bilal. So you are the most funny girl in any troop you go, in any squad you go, right? Because I see you like laughing and caring of others, right? That's me, absolutely. I love it. And maybe that's also why Julien picked me up for this kind of job, because we're three here and every girl of us has a different role. My role is to be funny, cheesy, you know, like funky, playful. So that's me. And it's me in real life. So I'm so happy to be here. It's a dream. Boop, boop, biddle. Réalisateurs qui tournent ce film avec moi, enfin, c'est-à-dire les gens qui prennent les images et les caméramans, sont des gens qui me suivent déjà depuis 2 ans parce qu'ils sont en train de tourner un documentaire sur la maison Julien Fournier Haute Couture pour Netflix et d'autres plateformes. Donc en fait, je suis très très convaincu par leur talent. C'est des gens très très jeunes et j'ai beaucoup de chance d'être entouré par eux. So my name is Sheherazade Dakhlaoui. I'm from Paris and I'm a model, like the third model for the first time from Julien Fournier. Actually, like, we just find out that we came from the same hometown. So it was like such a surprise, and he was like, oh my God, I want you. So I was like so exciting, and here I am right now. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait autant de personnes sur un plateau de tournage, parce que la mode, c'est toujours super glamour, mais quand on voit tout le travail qui est derrière, c'est juste impressionnant. Là, en l'occurrence, on a toujours eu, nous, beaucoup de gens derrière nous parce que c'est une énorme production. Ça fait 3 jours qu'on tourne, donc on a un chef déco, un chef coiffeur, un chef maquilleur. Et c'est un travail d'aiguille énorme. En plus, j'ai mes équipes et puis...
un catering, et c'est beaucoup d'organisation en fait finalement, donc il nous faut des équipes. Hello, I'm Agel Kitsionou. I'm from Greece and the last years I'm living in Paris. But yes, it's like clothes that gives you like a feeling like directly you're wearing them and like this you're getting in the mood and you like start acting normal. The most particular is like this is real haute couture, like all the clothes are made like sur mesure, like it's like unique, everyone has like only one, there is no other like in the world, so that makes it extremely unique and you feel special too. Les filles s'éclataient sur le plateau de tournage parce que pendant le défilé, je m'en souviens toujours, leur démarche n'est pas pareille que sur les autres défilés de mode. Et il y a toujours « strike the pose to my camera ». Alors, en l'occurrence, la maison Julien Fournier, elle ne suit pas les grandes tendances où les mannequins sont obligés de faire la tête, non. Moi, mes clientes, ce sont des femmes qui vivent, ce sont des femmes qui respirent, ce sont des femmes qui s'amusent d'elles-mêmes, aussi qui savent vieillir et qui ont envie, du coup, de mordre la vie à pleines dents. Donc, comme j'ai la chance de pouvoir faire ce film, il fallait montrer que l'ADN de la maison Julien Fournier, c'était avant tout la joie et la beauté. Guys, as you can see, the place is very busy and the team is filming the new upcoming haute couture collection by Julien Fournier. We had a chance to assist this Hollywood movie. I feel myself like a movie star as well. Look what's going on now. Stay tuned and follow us. We will show you more from the backstage about fashion, culture and art here in Paris and hope all over the world.